Nous sommes au 15e siècle, à Grenoble. Un jeune garçon, grand et solide, joue les chevaliers dans la cour de la ferme de ses parents. Il s'appelle Pierre de Terrailles de Bayard. Son père était fier de la force de son fils Bayard, mais il voulait également qu'il sache lire et écrire. Alors, Bayard fut envoyé à l'école chez des moines pour parfaire son éducation. Mais ce que voulait le jeune Pierre, c'était devenir chevalier. Alors, il s'engagea dans l'armée et apprit le maniement des armes. Comme il était grand et fort, il se trouva vite dans des batailles où il se distingua par sa bravoure. Les années passèrent et sous le règne de Charles VIII, il devint capitaine. À cette époque, les guerres étaient nombreuses. L'Angleterre, l'Espagne, presque tous les pays se faisaient la guerre à tour de rôle. Alors, le chevalier Bayard partit à la guerre.